chère maman, maintenant je sais pourquoi tu m'as dit de ne pas me disputer avec Suzy. Elle ne lâche vraiment pas le morceau. Tu laisses Suzy faire tout le boulot. Tu parles, c'est sur moi que repose tout le poids de l'équipe. Qu'est-ce que tu viens de dire? C'est moi que la corde a brûlé au 8e degré. Elle a raison, tes mains sont aussi douces que des fesses de bébé. Bot squat. Comment ça, des fesses de bébé? Les vainqueurs et toujours champion, le camp marécage. Ouais. T'inquiète pas, Suzy, la boue va guérir tes mains pleines d'ampoules. Hey, merci du coup de main, Bot Splash. Jordan Bot Squat, je suis sûre que tu l'as fait exprès. Calme-toi, tu prends des bains de boue presque tous les jours. Regarde ça, Gretchen. Hey, sœurette, tu ne trouves pas qu'il devrait te faire des excuses? Ouais, excuse-toi immédiatement. Tu acceptes que ma sœur te parle comme ça? Pas question, les excuses c'est juste pour les minables. Oh, tu as vu comme il se fiche de toi? Maggie a raison, je ne remettrai pas mes pieds parfaitement pédicurés au camp du soleil souriant tant que tu ne t'excuseras pas. Bien envoyé, Suzy. Désormais, je vais rester au camp marécage. Et surtout, n'essaie pas de me faire changer d'avis. Évelan! Quoi? Laissez-moi passer. Félicitations, Maggie. Bot Squat, allez, un peu de cœur, c'est ta meilleure amie. Fais-lui tes excuses. Pas question, c'est ta sœur, alors tu n'as qu'à la garder. Bon. Bravo! Maintenant, il va falloir supporter l'insupportable Suzy jusqu'à la fin des vacances. Ne t'énerve pas. Dès qu'elle verra l'état des dortoirs, elle prendra le premier taxi pour le soleil souriant. Pour une fois, ta crasse va nous servir à quelque chose. Est-ce que ça veut dire que j'aurai plus besoin de prendre de douche? Je suis certain qu'elle est déjà partie. Ah! Ça alors, c'est comme si une bombe Suzy avait explosé ici. Il y a toujours de la place pour un passionnaire de plus. Oups, c'est plus lourd que je pensais. Voici le nouveau menu du camp. Du caviar biologique, du raisin épluché et du chai latte au lait de soya. Allez, au travail. Il y en a qui mangent vraiment n'importe quoi. Tout ça m'inquiète beaucoup. Comment résister à une urgence capillaire? À toi, petit frérot. Et sois convaincant. Suzy, tu ne veux quand même pas rester au camp marécage? Ça pue les pieds ici. La nourriture essaie de sortir des assiettes. Et les toilettes, c'est une cabane en bois avec un trou. T'inquiète pas, petit frère. Les choses vont changer ici. Compte sur moi. Écoutez, on a vaincu des sangsues tyranniques, des caleçons sales et des monstres cracheurs de feu. Mais là, il s'agit de ma sœur. Alors, vous avez des suggestions? Oh, des suggestions, j'en ai plein. Oh là, doucement, c'est quand même ma sœur. Ne laisse pas ton oreiller répugnant sur mon lit, Maggie. Attends, on trouvera bien une solution demain matin. J'espère que vous parlez pas en dormant, ou sinon je vous enfonce une chaussette sale dans la bouche. Oh, tu parles d'un cauchemar. Hé, où est mon fer à friser? Je n'ai pas le temps de le chercher. Tu n'es pas partie? Alors trouve-le. Tu me prends pour qui? Un panier de linge sale? Aïe! Hein? Tiens, j'ai trouvé ton fer à friser! Pardon, Maggie, mais tu lui fais de l'ombre. Donne-moi ça! Attention, laissez passer! Aïe! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Suzy, j'ai décidé de te pardonner. T'es contente? Génial! Alors retournons tout de suite au soleil souriant. Je ne sais pas comment programmer la télécommande. Aïe! Quoi? Est-ce que ça veut dire non? Mais pourquoi tous ces coups de serviette? De Suzy. Oh, je crois que je ferais mieux de m'allonger. Il y a vraiment des trucs bizarres qui se passent ici. Ouais, partout sauf au soleil souriant. Maggie! Où est mon fer à friser? Alors? Quoi? Mais je te l'ai donné tout à l'heure. Ah! Mais elle est vraiment partout. Ah! Formidable! Je ne sais pas d'où peuvent bien sortir toutes ces filles, mais une fois que moi et mes nouvelles meilleures amies auront fini de le redécorer, le camp marécage sera magnifique.
Je n'en sais rien, mais il faudrait trouver d'où sortent toutes ces Suzy. Croyez-vous que ces traces de pas bourrés nous y mèneront? Allons voir ça tout de suite. Ça, ce n'est pas une mare de boue ordinaire. Non, sans blague. Je ne mangerai plus jamais de boue. J'aurais dû rester couché aujourd'hui. Regardez, le drapeau! Il est temps que je mette un terme à cette folie. Suzy, ça suffit! On veut que tu quittes notre camp tout de suite! Wow, ici c'est notre camp et toi... Ah, tu dois partir? Laissez-le passer, mesdemoiselles! Suzy, sors de mon camp tout de suite! Ici, ce n'est plus ton répugnant camp marécage. Non, ici maintenant, c'est le charmant camp Suzy! Et vous n'êtes pas sur la liste des invités, alors fichez le camp! Jamais tu nous feras partir du camp marécage! Je vous souhaite une bonne croisière, avec les compliments du camp Suzy! Oh! Et le singe pomponneur reste ici! Ne m'abandonne pas, Maggie! On n'a pas encore dit notre dernier mot! J'ai combattu bien des monstres, mais aucun n'était aussi redoutable que Suzy. Il faut sauver Armand et récupérer notre camp. Ouais, mais comment contourner Mademoiselle l'Exécrable et son armée d'Enquiquinoïdes? Si on peut vaincre Suzy, alors soyons des Suzy. Je pourrais être un cow-boy à la place. Go! Go! Il y a tellement de choses qui me dérangent dans ton idée. Tu avais raison, Maggie. Je trouve ça beaucoup mieux que d'être cow-boy. Maintenant, allons sauver Armand. Oh, jamais je n'aurais cru qu'un jour je me lasserais de la coiffure. Désolé, mais j'ai déjà des Suzy pour toute la journée. Armand, c'est moi, Maggie. On est venu te délivrer. Salut, camarade. Oh, tiens, enfile ça. Maggie! Je savais que tu reviendrais. Ma colonne vertébrale! La voie est libre. Suivez-moi! J'ai une annonce à vous faire, sosie de Suzy. Vous m'avez compris, alors et que ça saute! Surtout, ayez l'air naturel. Alors, j'ai usé mes mains manucurées jusqu'aux os pour faire de ce dépotoir un luxueux spa qui mérite le nom de camp Suzy. Mais je ne sais pas s'il est assez parfait pour que... Tu n'as qu'à retourner au soleil souriant, alors! Pas avant que Buttsquat ne me demande pardon! Attendez un peu. Depuis quand mes sosies de Suzy savent parler? Vous avez dit qu'on aurait été mieux en cow-boy. Oui, oh ah, attrapez-les, les Suzy. Qu'est-ce qu'on fait, là? Suivez-moi. Très bien. Allons-nous-en d'ici. Où est passé Sawyer? Là-haut. Je croyais qu'on avait dit qu'on se cachait dans les arbres. T'avais raison, les buissons, c'est une meilleure idée. Il faut retrouver Buttsquat et le convaincre de s'excuser. On n'y arrivera jamais. Il est à l'autre bout du... lac. Suzy, je ne partirai pas d'ici tant que tu ne reviendras pas au camp du soleil souriant. Je ne suis pas Suzy. Mais elle, oui. Vous pourriez pas aller un petit peu plus vite? Ça prend une éternité. Suzy, regarde qui est là, c'est Buttsquat. Oh, salut, Buttsquat. Est-ce que t'es venu pour t'excuser? Pas question! Très bien! Alors sors de mon camp! Oh là, oh là, oh là! Doucement, les amis. Tout ça est allé beaucoup trop loin. Vous êtes les meilleurs amis du monde! Quelqu'un qui se dit ton meilleur ami ne te laisse pas tomber dans une mare de boue! Et ne t'abandonne pas dans ton camp de vacances! Oui, d'accord. Mais un ami, ça pardonne et ça oublie, pas vrai? Je n'oublierai pas tant qu'il ne me demandera pas pardon! Eh bien, moi, je ne demanderai pas pardon tant qu'elle n'oubliera pas! Voilà! D'accord, d'accord. Tout ça, c'est ma faute. J'ai traité Buttsquat de mauviette pour qu'il lâche la corde et qu'on gagne le tournoi. Je ne me doutais pas que tu allais tomber dans la boue.
ni que tu quitterais le soleil souriant pour venir vivre au camp marécage. Enfin, tout ça pour dire que je m'excuse. Nous acceptons tes excuses. Ah. Allez, les filles, on rentre chez nous. Elles sont toutes à toi, Bot Squat. Quoi? Non! Attendez! C'était de ma faute! C'était moi! C'était pas Mexky! Ah. Enfin, on va pouvoir enlever cette robe ridicule. Est-ce qu'il est vraiment en caleçon? Je ne veux pas voir ça.